Salut à tous, on se retrouve pour un unboxing d'un petit cadeau que j'ai eu grâce à Xbox. Et oui, aujourd'hui, j'ai reçu ce magnifique colis qui se présente comme ceci. Voilà, je peux faire le swatch avec ma main. La main, elle est cachée derrière, ça n'a aucun sens. L'angoisse. Non, on va arrêter ça tout de suite. Et en fait, en fonction des résultats, ça nous fera nos duos. C'est-à-dire que le premier sera avec 6ème. Le deuxième sera avec le cinquième et le troisième sera avec le quatrième pour faire des équipes le plus équilibrées possible. Bon, vous me direz quoi voilà. Faire quoi. Au là, faut jouer, faut jouer au jeu. Faut juste jouer. Ouais, d'accord, ok. Là, tu prends ta manette, tu play. Ok, c'est bon. Tout simplement. C'est bon. Prends ta manette, ton clavier. Allez. Allez. Non, mais je suis encore. Allez. Je suis encore shooté à. Allez. Ta gueule. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a eu, tiens? Je suis encore shootée à l'odeur du baume corporel aux épices, là. Du baume corporel aux épices. Je sens le curcuma à plein nez. Ta réponse est d'une platitude navrante. Exactement comme toi. Excuse-moi, t'as pas de sein, t'as pas de fesses, t'es plate, ok? Alors viens pas me dire que c'est moi qui suis plate, d'accord? Peach, well, excuse... Princess. Je trouve que je fais quand même moins équipière du McDo que Ponce. Ponce fait vraiment équipier du McDo quand il porte des casquettes, je trouve. Mais je trouve qu'elle est assez jolie, ça va. C'est la street. C'est la street, en fait. C'est la street. Le X de Xbox. Le X de Xbox. Ouais, tu fais le signe, en fait. C'est rien. C'est la rue. C'est rien. C'est les ratus des cités. Les ratus des cités. Oh non. Non. Vas-y, je cherche sur la carte. Ça se trouve, je clutch. Oh putain. Là. C'est là. Oh putain, c'est là. Mais je sais pas où exactement, mais c'est là. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Un kilomètre. Oh, un kilomètre aussi. Dieu. Oh, le clutch à la tour. Faut que j'arrête de trembler. Oh mon Dieu, ça y est, on est malade, c'est sûr. Oh là là, c'est une catastrophe. On s'est fait coroner. Heureusement qu'on a le masque tuba. Les gestes barrières, Anna. J'appelle les flics. Moi, c'est bon. Oui, allô? Allô, bonjour madame. C'est pour vous signaler du harcèlement. Oui. L'individu est aux alentours de Tours. Oui. Elle s'appelle Alexandra. Ouais. Oui, je pense qu'elle est vraiment dangereuse et armée. Bah oui, là même, elle est en train de tirer sur des individus et elle va peut-être tirer sur un grand-père. Bah, venez vite. Alexandra, je vous le dis, elle habite près de Tours. Elle vient de tuer une personne âgée à l'instant. D'accord, trouvez tous les subterfuges adéquats. Nous arrivons immédiatement, madame. Une heure plus tard, mission accomplie. La femme devra se justifier au commissariat. Oui, bonjour à tous et à toutes. Hi, guys. Enfin, je veux dire, ça ne met en valeur absolument personne, cet angle. Cet angle, ça ne va pas, en fait. Personne ne fait ça. C'est bien un truc de mec de faire des trucs comme ça. Genre, il a vraiment fait ça, il a fait... Allez, voilà. Alors, hi, guys. Ok. Complexe sportif, salle polyvalente... Mamie, là-bas c'est mamie. À droite, là-bas, on va chez mamie. Apparemment, il y a mamie juste ici. Ah, il y a un cimetière. Ah non, la pauvre, c'est horrible. Oh non, on va chez mamie, on arrive devant un cimetière. Ah bah, elle est là. Oh non. C'est terrible. La fin, je veux dire, c'est sûr, quoi. Il y a rien d'autre. Cartes de cœur dans cet opus, dans les donjons, peut-être que juste c'est des cartes qui t'amènent à des cartes de cœur, voilà, c'est tout. Non, attends. Putain, il m'a gobé, l'enfoiré. Pardon. Je suis vulgaire, c'est horrible. Mais il me fait peur. Oh, je voulais pas faire ça. Révolte ! Je suis
désolée. Montre-nous ce que tu sais faire. Tu vois ces 5 navires pirates en face, si tu parviens à les couler, nous reconnaîtrons son adresse. Nous reconnaîtrons ton adresse, genre il va venir chez moi me cambrioler? Ah non, mon adresse, putain. Je veux pas relever les yeux, j'ai honte. Pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Hein? C'est parce que demain j'annule le live stream, c'est ça, c'est pour ça! C'est pour ça que vous me faites ça! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal depuis tout à l'heure? C'est quoi ce bordel? 6.5 hours later. J'en ai marre. Oh, mais c'est une blague! Mais juste, mais. Ah, c'est la pire chasse à l'habitant sur laquelle je suis jamais tombée. Au secours. Oh merde, du coup on est tous les deux derniers, c'est énorme. J'ai vu. Mais aucune chance qu'on perde, y'a toujours Yves. Oh non, c'est horrible. Comment vous parlez à mon mate là? Non mais, enfin... Non mais c'est factuel comme dirait JD. C'est factuel, je suis désolé. Oh c'est horrible. Comme dirait JD, non mais je suis désolé. C'est factuel, messieurs dames. C'est moi qui suis dernière, du coup, putain. C'est ma map, c'est ma map. Ah non, my bad. Oh mon dieu. Yes. Yes. On a réussi, on l'a fait! C'est grâce à vous! Je suis tellement émue! Quand je suis rentrée chez moi, il s'est passé quelque chose de terrible. Je ne sais pas comment vous le dire, mais... N'en dis pas plus, on a compris! Non! Ah, ça! Pourquoi? Et c'est parti. Pas de perdant. Que des gagnants. C'est la première game, c'est toujours comme ça. Quoi, Lightbox? Est-ce que t'as vu? Non, mais dis-moi que t'as vu, s'il te plaît. Surtout qu'il t'a mis un petit coup. Il m'a vu, ce bâtard? Oh nice, on a un petit bureau time. Oh ah bah, what? Ah bah, moi qu'est aussi j'aurais été déçu en vrai. Qu'est-ce que c'est? Mais putain, j'arrive à lui faire un 3-6 alors que j'ai bureau time quoi en fait. What the fuck, ma fille, s'est passé un truc de ouf. Link, je te pompe. Oula. Allô, Link, je te pompe. Qu'est-ce que c'est que ce creep? Je rappelle que Link a 12 ans. Ouais, mais dans 4 ans, elle aura 16 ans. Pourquoi il m'a laissé passer? Oh non! Ça va chauffer dans les Bermudas! Et c'est parti! Vitesse maximum! Tout le monde en slip! Ça dure une minute? Et c'est parti! Ouah! Tous les dessins de cette effroyable boîte de crayons ont disparu. Mais c'était beau, les dessins. Voilà qui pose un dilemme moral. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'apprécie ces œuvres même si c'était un horrible personnage? What the fuck? Olivia qui est en train de se demander si on peut séparer l'homme de l'artiste? Mais c'est une blague! Il y a vraiment... quelqu'un dans Nintendo qui a dit qu'on allait vraiment se poser la question si on peut séparer l'homme de l'artiste. What the fuck? Mais je vais pas te laisser partir sans partager une pensée à méditer. Attention, tu peux tromper. Tu peux tromper une fois 1000 personnes. Non. Tu ne peux pas tromper 1000 fois une personne. Tu peux
tromper une fois 1000 personnes. Oui. Tu peux tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois une personne. Oui.